Bon, c'est pas mal tout ça. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais à deux temps au trot. Ça veut dire que, à propos, à deux temps, pim, pam, pim, pam, pim, pam. En même temps, il faut que votre cheval soit libre. Il faut qu'il rigole, votre cheval. Il faut pas qu'il travaille. Il faut qu'il ait la même sensation que vous, on rigole, on travaille. Alors, on va maintenant prendre prise main droite, on va tourner à droite, et on va faire des appuyés à droite au trot, dans le rythme, sans que le cheval se défende dans son encolure. Alors, très très important, tu l'as fait tout de suite, Caroline. Hop, il faut changer la... Hop, passe, revient. Le cheval vous parle avec son encolure. Alors quand le cheval vous parle avec son encolure, dites-lui dans votre tête, et à partir du moment où vous lui direz dans votre tête, vous lui direz forcément dans vos aides, je t'ai compris et je te fous la paix, je te donne la liberté dans le mouvement. Il faut que votre chevalier soit libre dans le mouvement que vous recherchez. À vos aides. Cheval sur la main, tes jambes en place, voilà, cherche. Comment il faut te mettre sur ton périnée, petite fille devant, c'est-à-dire Yannick. Pour tout le monde, au trot, face à moi, au pas, et on s'arrête devant moi, on se redresse. Arrêtez-vous. Dans le travail que vous faites, votre symphyse pubienne, le bas de votre ventre, c'est là. L'arrière de la symphyse pubienne, c'est derrière l'anus. Il y a ça de longueur entre le bas de votre ventre et l'anus. Il y a ça. Alors, vous pouvez être devant, vous pouvez être sur le milieu de ça, ou vous pouvez être à l'arrière de ça. Regardez. Je me bouche le trou du derrière. Je peux être sur le milieu de mon périnée. Je peux être sur l'avant de mon périnée. Et moi, je suis eunuque, là. Hein. Alors, dans le travail de trot que vous faites, roulez sur votre périnée. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quelques centimètres en avant, quelques centimètres au milieu, quelques centimètres derrière. Pour trouver la position de votre corps, pour... le rein de votre cheval, pour pas gêner votre cheval. Parce que quand vous vous mettez, quand vous vous bouchez le trou du derrière, vous êtes sur le rein de votre cheval. Ça, cette position, quand vous arrêtez sur votre cheval, vous devez avoir du poids sur le rein du cheval. Vous êtes, le cheval est sur la main, vous serrez les jambes, il recule tout seul. On va le recommencer, on va le faire d'ailleurs. On était pisse-main droite. Oui. Ben on va se mettre pisse-main gauche. Desserrez-les, trois pas. Marchez. Attention, nous allons faire le mouvement. Pour arrêter. Arrêtez. Gardez sur la main. Serrez les jambes. Un, deux. Serrez les jambes. Un, deux. Desserrez les doigts. On va recommencer. Pour que vous soyez bien dans le mouvement. Ne faites rien. Ne tirez surtout pas sur vos rênes. Serrez les jambes et redressez votre corps.
Appuyez votre dos à un dossier de fauteuil qui n'existe pas. Serrez les jambes pour arrêter. Arrêtez. Reculez de deux pas. Les jambes. Un, deux. C'est pas mal. Desserrez les doigts et avancez. Desserrez les doigts et avancez. On va reculer avec un cheval droit. On va lever les mains un peu plus hautes et on va redresser son corps un peu plus fort. Attention. Pour arrêter. Arrêtez. Reculez de trois pas. Un. Serrez. 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 Avancez. Très bien. On va recommencer une autre fois encore. Avec des mains qui ne bougent pas dans le sens latéral. Marchez. Marchez. Les jambes. Posez le cheval sur la main. Attention pour arrêter. Arrêtez. Reculez. Trois pas. Des jambes. Des jambes. Des jambes. C'est d'ouvrir les doigts. Des jambes pour avancer. Très bien. Avancez. Parfait. Parfait. Très bien. Bien. C'est pas mal. Face à moi. Attention pour arrêter. Arrêtez. Les demi-tours autour des hanches. Je suis un cheval. Je suis pisse-main gauche. Je veux faire un rond avec mes antérieurs. Dessiner un rond avec mes antérieurs. Mon cheval est un compas. Les postérieurs de mon cheval, c'est la pointe du compas. Je plante le compas dans le papier. J'écrase mon dos au dossier de fauteuil. Je recule ma jambe droite pour empêcher ma jambe droite, ma hanche d'aller par là. Et je pousse l'épaule droite. Ma main gauche ne fait rien. Mon cheval tourne autour de mon postérieur gauche, puisque vous êtes pisse-main droite. Mon postérieur gauche qui est tenu par ma jambe gauche. Regardez, je vous fais le mouvement. Le commandement, ça va être pour doubler. Doubler. Préparez-vous, la jambe droite se recule, la pointe du pied droit se lève. Je tiens ma hanche droite. Préparez-vous pour doubler. Doubler. Je descends mes mains et je marche droit. Vous avez compris? Rythme à quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Mais un, deux, ça suffira. À vos rênes, détendez-vous. Je regarde derrière. Je regarde derrière. Oui. Regardez-moi. Voilà. Vous regardez dans le sens où votre main va. Marchez à vos rênes. Action. Préparez-vous. Je recule ma jambe droite, je lève la pointe de mon pied droit pour tenir la hanche droite. L'action de l'avant-bras et la demi-clée des doigts se fait quand l'antérieur se lève. Une, deux, 90 degrés, je remets mon cheval droit et je pousse. Sie haben verstanden? Ja, jawohl. Sehr gut für mich. Reste droit dans le prolongement du coude pour pouvoir transmettre. Vous feriez ça dans les arts martiaux, vous seriez morte. Il faut garder son poignet droit, soutenu dans le prolongement du coude. Hein, pour pouvoir faire les coups de sabre, les points des monts, hein, tout. Sinon, si vous faites ça, vous êtes foutu. Ça ne peut plus passer. Pour passer, il faut que ça reste droit, là, tendu. En arrière. La jambe d'abord, avant la main. La jambe qui tend le cheval, en arrière. On ferme les doigts sur les rênes, Yannick. Ils ne sont pas fermés, ces doigts. Il faut presser comme si on voulait sortir de l'eau des rênes. On avance. Sympa. Un, deux, 3, 4, 5, oh! Hop, hop, hop. Tenez-vous au pommeau. Bien calé votre tête là. Hop.
Gauche, 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 gauche. Bien, bien vers l'air. Bien. Salut, allez, pose ton genou par terre. Pose. Ah oui, je sais que tu ne veux pas poser. Salut. Allez. Bien. Bien. Voilà. Bien. Oui. Marchez. Recule ta jambe gauche. Oui. Ouais. Remets-la au galop. Appuyez. En ellipse. Voilà. La hanche, la hanche, la hanche, la hanche, la hanche. Et poursuivre avec une session à la jambe droite. Action! C'est pas mal, fleur, c'est pas mal. Très bien la petite! Beaucoup mieux que tout à l'heure, extra! Mais c'est bien! C'est bien! Alors, les défauts, vos chevaux sont... La flexion est un tout petit peu trop accentuée. Votre cheval doit être... Ça. Travaillez bien l'épaule gauche dans le rythme de votre cheval. On recommence. Soutenez bien l'épaule droite avec une demi-clé de la main droite. Le cheval presque droit. Une toute petite flexion, presque droit. Action. Soutien de l'épaule gauche, fleur. Non, ta main gauche est trop loin. Bon, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Sentez votre cheval dans son déplacement. Voilà, c'est mieux, Georgiane. Sentez votre cheval dans son déplacement. C'est pas mal. Bien. En E. Ceci n'y a pas d'être inventé là. En E. Individuellement. S'il vous plaît. Cheval droit. Piste main gauche. Vous doublerez dans la longueur et vous ferez une session à la jambe gauche. Rythmez votre latéral gauche vers la droite. Rythmez vers la droite. Soutenez très bien, fleur. Extra, fleur. Ne tire pas sur ta reine gauche, Nathalie. Alors, Nathalie, tes bras sont pas en place. Ce qui fait que tu tires sur ta main gauche. On va recommencer ça pour Nathalie. Garde tes coudes au corps, Nathalie. Et travaille avec des demi-clés. Allez, allez, allez! Au trou! Nathalie. Baisse à gauche, reste proche à côté de l'autre. D'accord. Allez. Lève. Très bien, fleur. Très bien, la petite Mathilde. Oui.
Ta main gauche n'est pas dans le rythme de ton pied gauche, Mathilde. Oui, c'est mieux, Nathalie. Oui, c'est mieux. Garde tes coudes au corps, Nathalie. En avant, la dernière cavalière, en avant. Donne-lui la liberté à ton cheval. Très bien. En avant. Nya, 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 ma gauche avec tes doigts gauche. Mais on ne perd pas, hein, dans cet exercice, jambe gauche, main droite, jambe droite, main gauche. Avec la flexion en pelure. Très bien. Vous de moi. Voilà, main gauche, jambe gauche. Ça, c'est l'exercice de l'épaule en dedans. Hein. Très bien. Maintenant, avec le latéral droit, venez vers moi. Sans que le cheval se redresse, venez vers moi. Gardez la hanche. Approchez la hanche de moi. Approchez la hanche de moi. Oui, c'est bien. Ta main droite est figée, ma grande. Et ta main gauche aussi. Allez, impulse. Ta cravache. Oui. Ta cravache. Garde le cheval. Ta cravache. Oui. Allez, continue. Sors avec le galop. Sors. Oui. Voilà. Très bonne sensation, en tout cas. Voilà. Bon, Mathilde. Non, on part par là, ça va faire. À sa place. Garde comme ça, Stéphanie. Attention individuellement. Vol, premier cas. Regardez Fleur. La main gauche, droite, la main droite. Oui, oui, et bien tourne, tourne. Là, regarde, voilà. Et maintenant, regarde encore Fleur. Oh, où tu vas? Stéphanie, c'est un rond que je te demande. C'est un cercle. Les deux premiers quarts de ton cercle étaient bons. Les deux derniers étaient mauvais. Marchez au trot, bon travail. Gardez cet alignement. Excellent. Josiane. Redressez vos épaules. Marchez au pas. Poussez. Gauche, droite. Flexion. Fleur part en épaule en dedans. Flexion. Stéphanie part en épaule en dedans. Josiane part en épaule en dedans. La dernière cavalière part en épaule en dedans. Individuellement, vol, premier quart, main droite, deuxième quart, main droite, troisième quart, main droite, quatrième quart, main droite, entre autres, travail, c'était
pas mal. Dans cette action, la main gauche ne fait strictement rien. Elle... Normalement, c'est tout simple ça. Et maintenant, on va assumer comme ça. Allez, demande, Christiane. Comme ça. Voilà. Et rassemble. Oui, mais laisse-le un peu galoper. Desserre tes doigts dans le rythme. Bonne position. Rassemble. Excellent, Fleur. Redresse-toi davantage. Reprends. Redemandez l'ordre. Hello! Ce sont des habitudes de votre cerveau. Votre cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut lui aussi, il faut lui inculquer une discipline. Aussi bien en équitation que dans n'importe quoi. Il faut manipuler votre cerveau avec des réflexions, avec de la concentration, avec de la méditation. Faites travailler votre cerveau. Au revoir.